En cette période estivale, on peut se poser la question de savoir quelle est la pensée de Dieu au sujet des vacances. Parce qu'en réalité, la Bible ne parle pas de vacances, mais de repos. Oui, Dieu veut que tu te reposes, ton esprit, ton âme et ton corps. Alors, à quel moment mon corps connaît le repos? C'est facile, tout simplement lorsque je cesse pour un temps, simplement pour un temps de travailler, que je me détends, que je suis dans une atmosphère décontractée, etc. À quel moment mon âme se repose? En fait, sache que ton âme se repose à chaque fois qu'elle vit dans la paix, dans l'amour, dans la joie et non pas dans le tracas, les soucis, les inquiétudes. Donc, accorde à ton âme de se reposer en expérimentant réellement la paix et la joie de Dieu. À quel moment ton esprit se repose? Ton esprit se repose tout simplement, non pas lorsqu'il arrête de prier, bien au contraire, mais lorsqu'il est dans la présence de Dieu. Lorsque tu es en train d'adorer Dieu, lorsque tu es en train de vivre des moments de louange, d'adoration, là, ton esprit se repose. Alors, quel que soit le contexte de vacances, de congé dans lequel tu es, je veux simplement t'inviter à ne jamais te déconnecter de la présence de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque tu te déconnectes, tu n'es pas en train de te reposer, mais tu es en train de t'asphyxier, tu es en train d'étouffer ton esprit. Alors, je veux simplement t'inviter à te lancer ce défi, quel que soit l'environnement dans lequel tu es, reste dans la présence de Dieu. Loue-le, adore-le, passe au moins une heure dans sa présence. Car rappelle-toi, le diable, lui, il ne part jamais en vacances. L'ennemi rôde toujours.